Eh ben voilà. Heureusement qu'il y avait une recharge automatique. Du coup, j'en ai profité pour mettre le Nostromo en action, c'est-à-dire mon mini clavier spécial de main, pour être à mon aise, le programmer. Et du coup, j'ai un petit peu rembobiné dans l'histoire, mais je devrais plus commettre la même erreur et je devrais être bien plus à mon aise. Génial! On y croit. Premier épisode fastidieux, mais le début d'une grande histoire. Comment ont-ils pu nous attendre ici? Je ne sais pas, mais il est trop tard pour faire demi-tour. Ne vous en faites pas, sire. On va vous sortir de là. Ils ne seront pas les premiers à avoir sous-estimé les lames. Je passe devant. En route. Restez ici. Wow! Putain, il a fini encastré, lui. Oh la vache! Ah! Ah, je les ai patatés au point, les rats. Hop là! Ah bah, bravo, j'ai merdé. Oh putain, il m'a fait peur ce con. Ouh, faut pas être cardiaque, la vache, comment qu'il est apparu du néant lui. Ça va attendre. Et ben voilà qui est bien. Ça, c'est un bon équipement de base. Vache, la violence, toi. La violence faite fan. J'allais dire fun fan. Faite femme. C'est Gwendoline. Ah, cette scène d'action de fou. Hop là, on ne passe pas. On n'est pas, je sais pas.
comment je l'ai défoncé. J'aime bien le cri de Gwendo. The Gwendoline. Voilà. J'étais resté bloqué là, moi. Oh, vache, marteau de guerre. Attends. J'ai eu un bug avec la souris, là je pouvais plus regarder vers le bas. Mais c'est là d'où je viens. J'ai pas l'air idiot. Putain, je vais peut-être courir un peu là quand même. Histoire de manier le fessier. Hop là. Ah, il y a un sac. Une jarre. Non, c'est un sac. C'est beau.
La joie de pouvoir faire des potions. Ça pèse trop lourd, ça, sa peau d'ours. Hop là. Oh vache. Attends, j'ai pas fait la partie haute du... Il y a plein de trucs à prendre. Merde, j'aime pas cette vue. Voilà, merci. Heureusement que j'ai la molette pour... Je sais pas comment j'ai fait pour déclencher la vue, mais j'ai pas aimé.
vache. Alors pour ma part, c'est une excellente opération. Sympa. Merde. Mais oui, j'ai pris une épée courte rouillée, j'en ai rien à battre. Ça m'intéresse pas. Oula. Pas le vase en argent, mais... Bâton chaman gobelin. Ah, masse d'armes. Dommage qu'elle soit rouillée. Oh, la tête de l'ennemi, toi. Ah, sympa. Là, j'avoue, ça rame. J'ai une 8 images secondes. Si, nous devons y aller maintenant. Pas encore. Laissez-moi me reposer quelques instants de plus. Votre Majesté, nous devons continuer à avancer. Pas encore. Bon sang, c'est encore le Laissez-moi me reposer quelques instants de plus. Tu travailles peut-être avec les assassins. Non, elle n'est pas des leurs. Elle peut nous aider. Il le faut. Comme vous voudrez, messire. Approchez. Je préfère ne pas avoir à crier. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi j'ai confiance en vous. Ils n'ont pas vu ce que j'ai vu. Comment expliquer
Écoutez, connaissez-vous les neufs? Savez-vous qu'ils guident notre destinée de leurs mains? Je sais surtout que tu peux aller te faire cuire un œuf, oui. Oui, les neufs nous guident et nous protègent. J'ai toujours servi les neufs, et je base mon chemin de vie sur les cycles célestes. Les cieux sont parsemés d'étincelles qui sont autant de feux et de signes. Je connais bien ces étoiles, et je me demande laquelle a marqué votre naissance. Ah oui, c'est vrai. Alors là, faut que je choisisse bien. Alors, il faudrait que je mise sur la magie, puisque ouais, je suis haut elfe. Oh la vache, il y a de ces trucs. Alors, je suis tenté dans la magie, soit être l'apprenti, tripler ma puissance de magie, mais je suis ultra vulnérable à celle-ci. Ou ce qui est pas mal non plus, c'est l'Atronach. Alors, le mage, t'as quand même un double de magie, mais c'est tout. Alors que l'Atronach, t'as le double de la magie. Tu récupères pas la magie en dormant, mais tu récupères la magie lorsque t'absorbes un sort. Je crois que je vais faire Atronach. Ça me plaît vachement. Ouais. Les signes m'ont révélé que ma route touchait à sa fin. Ma mort, qui est nécessaire, arrivera quand elle arrivera. Et moi? Vos étoiles ne sont pas les miennes. L'Atronach vous aidera à accomplir la tâche qui vous est confiée. Voyez-vous mon destin? Mes rêves ne me confèrent aucune garantie de succès. Ils ne s'aventurent jamais au-delà des portes de la mort. Mais sur votre visage, je reconnais le compagnon du soleil. L'aube de la gloire d'Akatosh suffira peut-être à bannir les ténèbres qui approchent. Mon cœur devra se satisfaire de cet espoir et de la promesse de votre aide. Vous n'avez donc point peur de mourir? Je ne suis pas accompagné des trophées de mes triomphes, mais j'ai bien vécu, et mon âme reposera en paix. Les hommes ne sont que chair et sang. Ils savent quelle forme prendra leur fin, mais pas quand elle se produira. En cela, je suis béni des dieux de voir l'heure de ma mort. Cela me permet d'affronter dignement mon sort et ma chute. Où allez-vous? Je vais à la tombe. La voix qui m'appelle est plus séduisante que le chant des sirènes. Vous me suivrez sur une partie du chemin. Après quoi, nous devrons nous séparer. Autant vous rendre utile. Tenez. Prenez cette torche et ne vous éloignez pas.
Nous sommes les gardes du corps de l'Empereur. Notre mission est de le tirer de situations telles que celle-ci. Mais je dois admettre que les choses ne se passent pas comme prévu. Après l'ordre des lames, Muriel Septime. J'ai pour mission de m'assurer que l'Empereur sortira d'ici vivant, et je compte bien la réussir. Ne vous éloignez pas. Laissez-nous faire notre travail, et tout se passera bien pour vous. Protégez l'Empereur! Faites attention à vous, Boris! Le sang des dieux! Protégez l'Empereur! Arrêtez! Je n'aime pas ça! Je vais jeter un coup d'œil. L'Empereur vous fait peut-être confiance, mais pas moi. Ne vous mettez pas en travers de notre chemin. La voie est libre. Venez. On est presque au bout des égouts. C'est une voie sans issue. Quels sont vos ordres, monsieur ? Ils sont derrière nous ! Attendez ici, messire ! Attendez ici avec l'Empereur. Défendez-le au péril de votre vie. Pour l'Empereur ! Suivez-nous. Votre destinée est liée à la mienne et au sort de Tamriel tout entière. Suivez-nous. Votre destinée est liée à la mienne et au sort de Tamriel tout entière. Tu peux rien faire d'autre ? Je ne peux pas aller au-delà. C'est à vous et à vous seul de vous dresser contre le prince de la destruction et ses serviteurs mortels. L'amulette des rois ne doit en aucun cas tomber entre ses mains. Prenez l'amulette et apportez-la à Joffre. Lui seul sait où trouver mon dernier fils vivant. Retrouvez-le et refermez les mâchoires d'Oblivion. Vous n'avez pas choisi le bon jour pour gagner la course et vous avez de la chance que je vous apprécie. L'amulette des rois sera à moi. Vous pouvez... Non.
nous avons échoué. J'ai échoué. Ella m'avait juré de protéger l'empereur, et maintenant il est mort, avec tous ses héritiers. L'amulette ? Où est l'amulette des rois ? Elle n'était pas sur la dépouille de l'empereur. C'est l'empereur qui me l'a donnée. Étrange. Il a vu quelque chose en vous. Il vous a fait confiance. On dit que c'est le sang de dragon qui coule dans les veines de tous les Septimes. Ils sont plus clairvoyants que le commun des mortels. L'amulette des rois est un symbole sacré de l'Empire. La plupart des gens pensent à la couronne du dragon rouge, mais ce n'est qu'un bijou. L'amulette a des pouvoirs. On dit que seul un véritable héritier de sang peut la porter. Il a dû vous la donner pour une raison bien précise. Vous a-t-il dit pourquoi ? Je dois porter ça à Joffre. Joffre ? Il a dit ça ? Pourquoi ? Car il existe un autre héritier. J'en ai jamais entendu parler. Mais Joffre doit le savoir. C'est le grand maître de mon ordre. Même si ça ne se voit pas au premier abord. C'est un moine qui vit retiré au prieuré de Waynon, près de la ville de Corolle. Comment faire pour aller là-bas ? Vous devez d'abord sortir d'ici. Derrière cette porte, ce doit être l'entrée des égouts, après la porte verrouillée. C'est par là que nous allions. C'est un passage secret qui permet de sortir de la cité impériale. Du moins, il était censé être secret. Tenez, vous aurez besoin de cette clé pour la dernière porte qui donne sur les égouts. Les égouts ? Ils sont infestés de rats et de gobelins. Mais d'après ce que j'ai vu, vous avez tout l'air d'un éclaireur aguerri. N'ai-je pas raison ? Ah, ma classe. Classe que je peux personnaliser. Alors moi, je prends la spécialisation magie, hein. Je vais tout foutre dans la magie. Oui, je risque d'être un mage de guerre, ouais. Les dessins sont magnifiques. Mais ouais, je vais être mage de guerre. Mage de guerre. Oui. Vraiment ? Je n'aurais jamais deviné. En tout cas, vous ne devriez pas avoir de problème avec les rats et les gobelins. Après les égouts, quoi d'autre ? Vous devez apporter l'amulette à Joffre. Ne prenez aucun risque, mais partez sur le champ pour le prieuré de Waynon. C'est bon ? Ouais, je comprends. Bien. L'empereur a eu raison de vous faire confiance. Et vous, qu'allez-vous faire ? Je reste ici afin de garder la dépouille de l'empereur, et je veillerai à ce que nul ne vous suive. Vous feriez mieux d'y aller. Puisse Talos vous garder. Au fait, merci d'avoir récupéré l'épée du capitaine Renaud. Je veillerai à ce qu'elle finisse en bonne place dans le mémorial des lames. Ah, alors voilà les contenus additionnels qui sont dans la langue de Shakespeare. On verra ça plus tard. Alors ?
punaise, j'arrive même plus à passer dans le corridor. Ah oui, merde, il m'a chopé mon... Pas malin, ça. La fameuse grille fermée. Hop là. Vache, il y en a des du contenu additionnel. Bon, je ne désespère pas de revoir la lumière du jour. Sauf erreur de ma part, il y a un tonneau à fouiller. Ah non, il est ventré. Ah là-bas, je l'avais pas vu. Oh, je sais pas si ça vaut le coup. Là, il y a quoi? Là, un escalier. Ah, j'avais même pas vu que c'était un rat. De toute façon, tout est en piteux état. Je crois. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est sombre. Non, je suis content, héros. Ah. Eh oui. Ça y est, c'est parti pour de bon. On a fini le tutoriel et la config.
Ah, il y a un côté idyllique. Ah, la belle cité de Cyrodiil. Je suis ce qui semble être un chemin. Ah, je vois une torche au loin. Si c'est une torche, mais sûr c'est un feu. Oh, ça se couvre. J'étais donc fait prisonnier ici. Parlez. Quelle est la raison de votre présence? Je ne le sais pas moi-même. Quoi, renard vie? Indication, rumeur. Ah, je l'ai en anglais, rumeur. Toute une ville est sans dessus dessous. D'abord la chapelle attaquée, et maintenant les extravagances du prophète sur la fin du monde. Indication. Qu'est-ce que vous cherchez? Ah. Où puis-je dormir? L'auberge du marchand se trouve dans le quartier du marché. La taverne du roi et de la reine, dans le quartier des jardins elfiques. L'hôtel Tiber Septime, sur la place Talos. Et l'auberge de tous les saints, dans le quartier du temple. Il y a aussi le flotteur Bouffy dans le quartier portuaire. Mais ce n'est pas un très bon quartier. Adieu. Adieu. Ah la vache, il y en a des portes. Ça fait autant de lieux à visiter.
J'ai le droit d'entrer là? Oh, monsieur. Parlez, nous sommes à votre service. Ah, c'est le geôlier impérial. Quelles sont les rumeurs? Si vous devez voyager, par les neuf divins, ne quittez pas la route. La région sauvage n'est plus sûre. Nous avons repéré du danger, vous savez. Les Dédras. Oh là là. Ah, on peut rendre visite à un prisonnier? Certainement, je vais ouvrir. Bien sûr que je dois rester avec vous. Mais y a pas de souci. Je vais juste moquer le gars qui pensait qu'on allait me buter. Je pense que lui est bel et bien resté croupir dans sa cellule. Ah, merci. Accélérez un peu. Ah non. Je reconnais pas. J'étais dans quelle cellule? Oui. Oui, j'avais quelqu'un à faire assassiner. Oui, j'ai adressé une prière à la mère de la nuit. C'est un crime? Ils ont tout pris, même ma maison. Uah. Je piche plus. Il n'y a pas plusieurs prisons impériales. Bah, c'est pas par ici que l'on pourrait passer. Je devais être dans d'autres geôles, mais alors lesquels? Il me suit? Ah là, oui, ou là, je suis cerné. Ça déconne zéro. Ah, il y a peut-être des geôles là aussi. Ah, j'ai pas le droit d'y aller. On peut pas y aller? Je vous écoute, citoyen. Là, on peut? Certainement, je vais ouvrir. Bien sûr que je dois rester avec vous. Oui, d'accord, mais... Ah non. Cette aile-là, j'ai pas le droit de la visiter. Bah, si tu le dis. Parlez. Ah non, mais moi je suis... Avez-vous quelque chose à signaler? Non, je suis bouche bée. Dégagez. Eh oh, te permets pas. Ah, j'ai même pas le droit d'aller sur les hauteurs. Je suis tristesse. Qu'y a-t-il, citoyen? Oui. Toute une ville est sans dessus dessous. D'abord la chapelle attaquée, et maintenant... Les extravagances du prophète sur la fin du monde. Bon, allez, je vais sauvegarder et je reprendrai un peu plus tard. Adieu. Adieu. Ouais, c'était bien pour un premier épisode. C'était cool.